Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis d'Alsace. Donc, ceci est un podcast tricot, crochet et parfois autre. Donc, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je vais vous tourner la vidéo le 8 ou le 9 août et elle ne paraîtra que un peu plus tard au mois d'août. Parce que mon mari a 3 semaines de congé, et donc pour éviter de filmer pendant les congés de mon mari, qu'on puisse faire ce qu'on veut, entre guillemets, je vous ai préparé 3 vidéos que je ferai paraître donc le vendredi, chaque vendredi, voilà. Et donc le prochain véritable podcast sera pour la première semaine de septembre. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur ce que j'ai déjà terminé depuis le début d'année 2023. Donc, il y avait le Maric Little. Donc, celui-là, je ne l'ai plus. Je l'ai offert à ma nièce. Donc, je l'avais tricoté en Knitty, DMC Knitty 4. C'est donc de l'acrylique. Je l'avais tricoté en blanc, en rose, jaune et puis avec un reste de violet que j'avais à la maison. Voilà. Donc, il se tricote en DK, contrairement au Maric Lady. Le Maric Little se tricote en DK. Alors bon, c'est un pull super simple à tricoter. Hein, vraiment, on va dire, le jacquard, on va dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus complexe à faire. Hein. Et encore, quand je dis complexe, voilà. Ça dépend. Si vous voulez vous essayer au jacquard, on va dire c'est un très bon modèle pour débuter le jacquard. Donc il se tricote en top down. Ce qui signifie donc que vous le commencez par le haut. Il se tricote d'en haut jusqu'en bas. Il y a donc le jacquard au niveau du yoke et il me semble qu'il y a encore du jacquard au niveau des manches. Je l'ai tricoté, est-ce que je l'ai noté en quelle aiguille je l'ai tricoté? En 3,5 et 4. Ouais. Ouais. Et non, c'est franchement, pour débuter, c'est un très bon pull, donc vous n'êtes pas obligé de le faire avec plusieurs couleurs. Vous le faites avec 2 couleurs, ça va très bien, il n'y a pas de souci. Les augmentations se font au niveau, pas au niveau du jacquard, mais vraiment au niveau des rangs unis. C'est vraiment un très très bon pull pour démarrer. Par contre, je ne me souviens plus quel est le tarif du patron. Donc, il s'agit d'un patron de Along avec Anna qui est à 7,13 € sur Ravelry. Voilà. Après, vous pouvez le tricoter. Vous pouvez très bien le tricoter en utilisant des laines de chez Drops, par exemple. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le tricoter en utilisant de laine de chez Drops, ce qui fera un coût un peu moins élevé aussi, si vous voulez tricoter de la laine plutôt que de l'acrylique. Moi, j'ai tricoté en acrylique parce que c'est pas pour chez moi. C'était pour offrir. Voilà. Donc, non, franchement, c'est super sympa à tricoter. C'est un petit modèle vraiment chouette. Et l'avantage, si vous avez une petite fille, par exemple, ou un petit garçon, hein, pourquoi pas, puisque c'est un modèle pour les petits qui peut se faire également pour les garçons, c'est qu'on peut faire un duo maman-enfant. C'est chouette. C'est vraiment super chouette. Donc ça, c'était vraiment le modèle. Alors, je dis 2023 parce que je l'ai terminé en 2023. Je l'ai débuté en 2022. Puis j'avais laissé traîner, machin, je ne sais plus pourquoi, j'avais d'autres choses sur les aiguilles et j'ai laissé un peu, voilà. Et franchement, non, sympa, vraiment sympa. Donc, ouais, c'est un patron de Long avec Anna. Et comme dit, facile, vous faites votre yoke, vous laissez les manches en attente, vous tricotez les manches en premier et vous laissez le corps en attente. Voilà, et il y a juste encore, donc il y a le jacquard en haut et un petit motif de jacquard là au niveau des manches. Voilà, rien de bien complexe, je l'ai tricoté en 8 ans, voilà. Et je ne sais même plus à partir de quel âge
Le pull est présenté, donc a priori de 6 mois jusqu'à 12 ans. Donc ça va, vous avez déjà une certaine marge. Hein. Il est vraiment chouette. C'est un pull de mi-saison en jersey qui possède un yoke en jacquard. Le dessin commence au niveau de l'encolure et monte jusqu'aux épaules. Le bas des manches possède également une partie de motif. Il se tricote du haut vers le bas. Le modèle peut se tricoter avec une couleur principale et une ou deux ou bien encore trois couleurs contrastantes. Une version femme de ce patron est disponible sous le nom Marie Clady. Voilà. Ça, c'est ce que je viens de dire sur la description du patron sur Ravelry. Donc, vous inquiétez pas, je vous mettrai donc mon projet dans la barre de description de la vidéo. Et je vous normalement, je vous ai déjà mis une petite photo du projet. Donc, celui-là, je ne peux pas vous le montrer. Comme dit, je l'ai offert à ma nièce. Hein, c'est pour le porter, hein, c'est pas pour le garder. Donc, voilà. Ça, c'était le projet que j'ai donc fini le 2 janvier 2023. Donc, ça rentre pour dire qu'il a été, c'est un projet 2023, quoi. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait encore en 2023? Alors, mon projet suivant, qui a été terminé en 2023, donc le 27 janvier 2023, celui-là, je peux vous le montrer, c'est mon châle Blossom. Également, un patron de Along avec Anna. Donc c'est un châle tout en dentelle. Il est vraiment chouette. Je l'ai tricoté en Rico Design Essential Merino DK et en Super Kid Mohair Silk de Rico. Donc c'était une couleur naturelle et une couleur, je sais plus quoi. Une espèce de gris, je crois. Ouais, une espèce de gris. Voilà. En plus, j'ai eu des déboires parce que finalement, j'avais pas assez de mohair. Et j'ai donc dû. J'ai réussi. Et bon, ce coloris de mohair ne se faisait plus. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui en avait encore une pelote et qui me l'a vendu. Donc, comme j'avais plus assez de mérino à la fin et que ça m'enquiquinait d'acheter une pelote de mérino juste pour quelques grammes, j'ai fait là, la bande de points mousse plus petite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai modifié quelques petites choses. Il me semble que j'ai glissé les mailles. Il me semble que ça fait pas partie du patron. J'ai glissé les mailles parce que ça me plaisait plus en glissant les mailles. Ouais. Bon. Alors, oui, c'est un modèle qui se tricote donc en DK plus un mohair. Et pourquoi là j'ai une barre là? Bon, faut dire que celui-là j'ai déjà pas mal porté, y compris cet été. Mais là j'ai quand même une barre là, ça fait bizarre. Non, je ne l'ai plus quand je le porte comme ça. Bon, bref. Oui. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais donc que je l'ai porté pas mal cet été également. Pourquoi? Parce que il est super agréable l'été aussi quand il fait un peu plus frais, que on mangeait par exemple en terrasse et que j'avais une robe ou quelque chose d'un peu léger qui faisait un peu plus frais, c'était super agréable à mettre. Donc je l'ai porté déjà cet hiver, je vais le porter cet été parce qu'on le met facilement sur les épaules. Franchement, il n'y a pas de souci. Celui-là, donc je l'ai tricoté. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai tricoté le 27 janvier parce que le temps que je reçoive tout et tout, c'était un peu longué. Je l'ai tricoté en 4,5, il me semble. Ouais. Ouais. Et le patron coûte 6,55 € sur Ravelry, environ. Donc 5,40 €. Ouais, 6,55 € d'après ce qu'il y a écrit sur Ravelry aujourd'hui. Voilà. Bon. Moi, j'adore la dentelle. Hein. C'est vrai que c'est assez sympathique. C'est une dentelle qui se retient bien. Il y a trois grilles
Oui, 3 grilles de dentelle pour la première pointe. Donc, puisqu'on commence par là. Donc, il y a une grille qui va jusqu'à je sais plus quoi. Ensuite, il y a deux autres grilles qu'on alterne. La grille 2, qu'on fait 3. Donc, on fait un alterne, grille 2, grille 3, grille 2, grille 2, grille 3, grille 2, de nouveau. Voilà. Et on termine, bien sûr, là, c'est le haut. C'est la fin. Donc, on commence par cette pointe. On fait des augmentations, des augmentations, des augmentations. Et il est tellement immense que je ne peux pas tout vous montrer. Mais c'est vraiment une dentelle superbe. J'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, ça, c'était mon deuxième projet fini en 2023. Donc, mon Châle Blossom. Donc, celui-là, il a tellement plu parce que je l'ai mis donc pour l'anniversaire, pour les 60 ans de mon parrain. Je l'ai porté. Et en fait, ma cousine a voulu le même. Donc, j'ai retricoté le Châle Blossom cette année. Je l'ai retricoté quand? Donc, je l'ai terminé le 13 mai et je l'ai tricoté en mérino extra fine de Drops et en Super Kid Mohair and Silk de Ricoh. J'ai utilisé 7 pelotes de mérinos extra fine de Drops et 3 pelotes de Ricoh Design Essential Super Mohair Kid. Voilà. C'est un châle qui vous revient donc au niveau de la laine, que ce soit celui-là ou l'autre, on va dire entre 60 et 70 € de laine parce que la mérino de la mohair and silk, elle coûte quand même, je crois qu'elle est aux alentours de 10 € la pelote, un truc comme ça. Et la mérino extra fine est quand même moins chère que celle-ci. Je sais plus, ouais, c'est entre, on va dire, allez, entre 60 et 70 € pour tricoter ce châle. Donc, il faut voir là parce qu'actuellement, je crois que la Mérinos de Drops, elle est en promotion chez Kalidou. Donc, il faut voir actuellement combien elle est. À combien elle est. Ça peut être. Franchement, c'est une super alternative pour un châle. Alors, surtout qu'avec. Comme il est tricoté en double. Ça a moins tendance à s'étirer, puis bon, c'est un châle de toute façon, donc à la limite, ça s'étire un peu, ça vous arrange presque. Voilà. Donc la mérinos, elle est où? La mérino extra fine, elle est actuellement en promotion à 2,79 € chez Kalidou. Voilà. Donc moi, il m'en a fallu 7 pelotes. Voilà. Donc, vous voyez, hein, ça ne fait pas non plus exceptionnellement cher. Ça va. Pour une vingtaine d'euros, vous avez le Mérinos. Et après, il faut rajouter encore la Kid Silk. Chez Drops, actuellement, donc la Kid Silk n'est pas en promotion. Elle est à 4,45 € la pelote. Il vous en faut 3. Donc, vous rajoutez 15 € de Kid Silk. Ça fait 35 plus les 5-6 € de frais de port. On va dire 40-41 €. Vous avez votre châle. Voilà. Après, il y a d'autres kits silk. Hein. Il y a kits silk de chez Lang et des choses comme ça. Mais moi, c'est vrai que Lang, je ne prends pas forcément parce que les merceries près de chez moi n'en vendent pas. Voilà, tout simplement, il faut que j'achète sur Internet. Donc, c'est vrai que du coup, j'aurai une mercerie qui en vendrait et j'en achèterai. La mercerie la plus proche de chez moi qui en vend, elle est à quasiment 1 heure de route. Ça fait quand même un chouïa loin. Un chouïa. Mais j'avoue que je testerais bien, franchement, j'adorerais tester Yavol Silk. Pour moi, c'est Yavol. La Yavol Silk, j'avoue, je la testerais bien. J'ai vraiment. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de la toucher ni quoi que ce soit. Donc, ouais. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Pour le moment. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore testé, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. Hein. Mais alors vous allez voir mes chaussettes, vu que j'en ai pas encore porté certaines et même voilà. Mais je crois que je perds pas mal mes cheveux les temps que j'aille chez le coiffeur. Donc il y en a certaines qui n'ont pas encore les fils coupés. Hein.
Donc, c'est normal, tout va bien. J'ai pas encore coupé tous les fils. Et pourquoi là j'ai deux fils? Tout va bien dans le meilleur des mondes. Ouais. Ensuite, j'ai terminé une paire de chaussettes. En fait, c'est des pirates, c'est sockets. Bon, il faudrait que je coupe les fils quand même. Voilà. C'était tricoté en quelle laine? Je ne sais plus. Parce qu'en fait, c'est des laines que j'ai achetées en destache et j'ai pas forcément le petit papier qui va avec. Donc je la trouvais vraiment chouette. Le coloris, je le trouvais vraiment, vraiment super chouette. Donc, celles-ci, je les ai déjà portées. Et c'est vrai que je pourrais les porter actuellement dès que j'aurai. Parce qu'actuellement, en fait, je porte, comme j'ai toujours mon entorse à la cheville, je porte des chaussettes dépareillées. Donc une chaussette longue côté gauche, une chaussette courte côté droit. Longue, pourquoi? Parce qu'avec la telle, c'est plus pratique d'avoir une chaussette longue, ça me fait moins mal. Enfin, moins mal. En fait, j'ai pas les étiquettes et tout ça, quoi. Parce que ça aussi, ça gratouille. Et chaussette courte de l'autre côté, parce que ben, je mets des petites baskets actuellement, donc j'ai pas forcément envie d'avoir la chaussette qui dépasse, quoi. Voilà. Donc actuellement, je porte des chaussettes dépareillées. Donc un côté, je crois, j'ai vert et l'autre côté, j'ai blanc. C'est pas grave, on s'en fout au point où on en est. Voilà. Ça, c'était donc mon. Ma deuxième. Ça, c'était ma première paire de chaussettes terminées de l'année. Donc des Pirates et Sockets, c'est un modèle de Knit Spirit. Donc, Gaëlle Guérin. Je ne sais même pas si on peut acheter ce modèle. On doit peut-être pouvoir le télécharger sur le site de Knit Spirit, je pense. En tout cas, ça a été un modèle qui a été créé pour le. C'est un patron qui a été créé pour le défi Pirates et Sockets qui s'est tenu du 13 au 28 juin 2022. Voilà. Donc, franchement, c'est ce patron-là, j'ai déjà tricoté à plusieurs reprises et j'en suis assez contente. Voilà. Et là, la laine, elle est vraiment toute douce, c'est vraiment super agréable. J'adore les porter, celle-ci. Je sais plus de qui elle vient, la laine, mais j'adore les porter. J'adore. Franchement, c'est tip-top. Ça, c'est. Et bon. Moi, je tricote en 2,5. Je tricote sur des. Je commence les pointes en Magic Loop. Et ensuite, je continue avec des mini circulaires. Donc, mes Magic Loop, mes 2,5 en 60 cm, c'est des Yaya non sharp. Et ensuite, j'utilisais à cette époque-là, j'avais pas encore les Xiaogu, donc j'utilisais des Knit Pro en 23 cm. Voilà. Donc, celle-ci, je les ai terminées le 21 février, mais je n'avais pas noté la date à laquelle je les ai commencées. Voilà, mais je les ai commencées cette année, celle-ci. Donc, Pirates et Sockets, c'est vraiment un patron que j'utilise très, très régulièrement. En fait, il y a deux patrons que j'utilise régulièrement. C'est les Pirates et Sockets et les Everyway Socks. Voilà. Ça, c'était chouette. Ah, et bien ensuite, le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Donc ça, c'est le mien. Donc, c'est un châle avec de la dentelle, une dentelle de diamant sur le côté et des côtes à l'intérieur avec des mailles torses sur l'endroit et sur l'envers. Donc vous tricotez jusqu'à la moitié de votre écheveau. Vous faites des augmentations jusqu'à la moitié de votre écheveau et ensuite vous démarrez les diminutions. Donc, vous commencez par une pointe et vous finissez par l'autre pointe. Et donc, au milieu, vous avez un espace qui est un peu plus large que les autres. Alors, au départ, je me disais, j'allais pas le mettre, mais finalement, je le mets quand même très régulièrement. Parce que en fait, j'aime bien avoir quelque chose autour du cou. Parce que je m'enrhume, enfin, j'ai facilement mal à la gorge et je perds très facilement ma voix. Donc, j'aime bien avoir quelque chose autour du cou. Donc, je l'enroule comme ça, voilà. Il est bien. Donc, c'est
J'ai utilisé un fil Rico Design Luxury and Dyed Happiness Merino Extra Fine. Voilà. Ça, c'est. Ouais. C'est un Rico. C'est un écheveau de Rico. Je l'ai donc démarré le 21 février et je l'ai terminé le 22 mars. Alors, sincèrement, je l'ai tricoté, je le retricoterai plus. Pourquoi? Donc, il se tricote en 4,5. Hein. Celui-là, d'après ce que je vois, je sais plus en quelle taille, j'ai pas noté en quelle taille j'avais tricoté. En fait, à la fin, limite, il fallait que je me force pour le tricoter. Il me saoulait tellement. C'est pas qu'il soit difficile, hein. Franchement, il n'y a aucune difficulté, rien du tout. C'est qu'il me saoulait. Il me saoulait vraiment. Donc, je crois Donc, ah oui, juste ce que je vous dis, le prix du patron, c'est 6,86 €, hein, 7,20 $ pour le moment. Et il est en anglais. Donc, les patrons que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'était des patrons en français, hein. Donc, le Maric, le Blossom et les chaussettes, là, c'était des patrons en français. Là, c'est un patron qui est uniquement en anglais, mais franchement, facile à comprendre, hein. No sous-seuil. Il se tricote avec une single. La prochaine fois, si je devais le retricoter, ce serait avec une single, plus avec ça, parce que c'est trop long. Franchement, c'est agaçant. Ça m'a saoulé. Donc, j'avais même pas encore atteint. Il me restait encore un motif de diamant avant d'atteindre la moitié de mon châle. J'ai tricoté tout le reste en 2 jours. Parce que je me suis dit, si je le tricote pas maintenant, si je me force pas à le tricoter, je le reprendrai plus. Il restera dans un coin parce que il m'a saoulé. Il était redondant, il était bip. Voilà. Hein, ça commence par C, il y a un H, I-A-N-T. À tricoter. Voilà. Je l'ai pas dit. Mais je l'ai pensé sincèrement. Après, j'avais peur au départ quand je l'ai pris que ça se voit pas bien Alors oui, effectivement, là au retour caméra, ça ne se voit pas forcément bien, mais dans la réalité, on voit plutôt bien le motif de diamant, on voit bien les côtes, on voit bien les mailles torses, hein. Donc les mailles torses, hein, comme dit, que ce soit endroit ou envers, c'est pas compliqué à faire, hein, c'est un coup de main à un bois. Mais franchement, c'était chiant. Pardon. Excusez-moi. Mais je l'ai pensé sincèrement. Donc, sinon, c'est un très joli châle, hein, faut pas se mentir non plus, c'est un très joli châle. Mais alors faites-le en single, hein, pas avec une laine qui fait 400 ou 420 mètres, hein, parce que sinon, c'est beaucoup trop long. Single, ça suffit. Et puis bon, après, c'est moche aussi parce que sinon, après, ça risque de faire beaucoup trop large aussi dans la partie large et ça ne va pas non plus, quoi. Non, c'est très bien comme ça. Voilà. Faites-le en single, ça peut être vraiment super sympa. Et puis, il y a des super couleurs en single, hein. Il y a des super couleurs. Voilà. Donc, ça, c'est un patron de Rory Locatelli. Voilà, je l'ai fait. Pas de souci. Pas de souci. Comme dit, je ne pense pas le retricoter celui-là. Autant le Blossom, vous voyez, je l'ai tricoté 2 fois en moins de 6 mois. Autant le Maric, voilà, il n'y a pas eu de souci non plus. Les chaussettes, on n'en parle même pas. Mais là, celui-là, et je ne suis pas la seule à avoir eu ce même ressenti parce que Christine, la folle au chat, a eu également le même ressenti sur ce patron-là. Donc, je ne suis pas la seule, c'est bon, ça me rassure un peu. Mais ouais, on a eu ce même ressenti. Voilà. Donc ça, c'était pour mon Venezia Shawl. Donc du 21 février au 22 mars. Et j'ai tricoté plus de la moitié en 2 jours. Voilà. Ça, c'était donc mon... Alors attention, 1, 2, 3, 4. Mon quatrième en cours terminé. Ensuite, celui-là, je n'ai pas encore coupé les fils parce que je ne l'ai pas encore porté. Mais vous le connaissez. C'est le Trescao. Donc tous les fils sont rentrés, il est lavé, il est propre, il ne reste plus qu'à être porté. Il est super lourd, il est en vert, hein. C'est pas du bleu, c'est du vert. Que j'ai acheté donc chez Association Flora. Si vous me suivez, vous savez que j'achète pas mal de laine chez elle. Donc c'est
du Merino DK que j'ai acheté chez elle en fin d'année 2022 parce qu'elle a soldé tout son stock de 2022 pour pouvoir faire de la place au 2023. Voilà, donc ça valait franchement le coup. Et il est vraiment très. La laine est super, elle est magnifique, elle met vraiment bien le projet en valeur. Bon, là, il faut vous imaginer que c'est vert, hein, le retour caméra est pas bon du tout. C'est vert, c'est pas bleu. Il y a quelques touches de bleu, mais la couleur principale, c'est le vert. Donc, j'ai toujours pas coupé les fils, il faut que je le fasse parce que je ne l'ai pas encore porté. Je l'ai tricoté entre le 5 février et le 23 mars. Donc, 13KO, c'est un pull gratuit de Along avec Anna. Donc, il se tricote en DK. Il est en français. Voilà. C'est vraiment un pull super, super, super. Voilà. Donc, alors, ce ne sont pas des côtes, c'est du point mousse. Ensuite, il est tout en jersey avec des raglans. Voilà. Et on refait du mousse là. Et il faut que je coupe ces fils parce que ça fait ridicule. J'ai fait un rabat élastique. Il est chouette. Là aussi, il est super. Voilà. J'ai fait un rabat élastique. Il est vraiment super chouette. Il s'est super bien bloqué. Ouais. Je regrette pas du tout de l'avoir tricoté celui-là. Je ne l'ai pas encore mis, mais je pense qu'il sera chouette. Par contre, il est super lourd en fait. Je me rendais pas compte, mais quand je le porte comme ça, je le trouve super lourd. Ouais. Donc ça, c'est mon 13KO. Donc les laines, j'en avais pour 50 euros et le patron est gratuit. Donc c'est franchement pour un premier pull, allez-y. Laissez-vous tenter. Pour un premier pull, c'est vraiment tip-top. Hein. Vous pouvez utiliser la Merino Extra Fine de chez Drops. Hein, si c'est quand même beaucoup moins cher au niveau du tarif. Donc là, il vous faut, je ne sais pas combien de mètres de fil. Donc, vous pouvez le tricoter soit en Merinos, en Baby Merinos avec... de la kid silk, soit vous le tricotez en déca. Et donc, on va dire, pour moins de 10 pelotes, il vous faut même pas 10 pelotes, même pour la plus grande taille, il faut même pas 10 pelotes de... Alors, attendez, non. Il faut 1000 en maximum, hein. Donc elle fait jusqu'à 165 cm hein, de tour de buste, et au maximum, il faut 1515 mètres. Voilà. Donc, à voir. Moi, je ne regrette pas du tout de l'avoir tricoté comme ça, quoi. Hein. Aucun souci. Je ne regrette pas du tout. Il est vraiment chouette, il est tout doux. Voilà. Non, les raglans sont vraiment très très beaux. Il n'y a vraiment rien à redire. Hein. Facile à faire. Il y a des rangs raccourcis dans le dos, mais elle explique bien. Il suffit de suivre. Il n'y a aucun souci. Des diminutions là pour les manches. Non. Franchement. C'est vraiment un patron pour débutants. Si vous voulez débuter au tricot, faire votre premier pull tout simple, ouais, je vous conseille le 13KO. En plus, le patron est gratuit, donc vous n'avez aucun souci enfin, vous n'avez pas besoin de vous dire ah oh, mince, j'ai payé le patron et puis en fait, j'y arrive pas. Donc là, le patron est gratuit. Au niveau des tailles, pour les raglans, en fait, c'est un tableau qu'il suffit de suivre. Donc vous prenez votre taille et vous suivez exactement ce qu'il y a écrit dans la colonne. Donc pour tel rang, vous faites ça, pour tel rang, vous faites ça. C'est pas compliqué, il suffit d'avoir une règle et de sélectionner votre colonne. Voilà. Et vous suivez exactement ce qui est écrit dans votre colonne jusqu'à ce que vous n'ayez plus de raglan à faire. Et après, de toute façon, après, ben, le corps est expliqué, il n'y a pas de souci. Non, c'est vraiment... le patron est plutôt pas mal. Donc ça va de mensuration tour de poitrine, vêtements finis, ça va de 80 cm à 165 cm avec une aisance recommandée de 3 à 10 cm. Donc une aisance positive. Hein. Voilà. Donc il se tricote en déca. Franchement, pas de souci. Allez-y. Moi, je le conseille. Maintenant, est-ce que je le retricoterai une deuxième fois? Peut-être, je ne sais pas encore, j'en sais rien. Si l'occasion se présente, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut être sympa. Il peut vraiment être sympa. Vous le portez sur un jean haut, taille haute.
Vraiment, ça peut être super chouette. Vous le portez, vous le faites un peu plus cropped et vous le portez par exemple sur une robe avec, vous savez, genre robe vintage avec le jupon et tout ça. Mais ça doit être vraiment sensationnel. C'est magnifique ça. Ou une jupe comme ça là. Magnifique. Ah oui, non, trop beau, trop beau. Voilà, ça c'était donc mon projet que j'ai fini le 23 mars. Ensuite, j'ai fait une paire de Everyway Socks que j'ai tricoté entre le 18 et le 31 mars. Alors, laquelle c'est? Ça doit être celle-là, je suppose. J'en sais rien. Ouais, je pense. Ça doit être celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'était ma deuxième paire de chaussettes de l'année. Donc, je les avais démarrées, celle-ci, il me semble, par... ouais, je les ai démarrées par les côtes. Donc, là, les pirates ses sockets, ça se démarre par la pointe, ça se finit par le haut. Et là, je les avais démarrées par les côtes, j'ai fini par la pointe en faisant un grafting. Voilà. C'est pas mal. Elles sont chouettes. C'était de la Ricoh Design Superbab Bamboo Superwash. Voilà. Donc, j'ai tricoté 7 paires de chaussettes avec. Donc, celle-là, celle-ci. C'est un petit 41 que j'ai tricoté en 64 mailles. Donc, je ne peux pas faire plus petit parce que sinon, en fait, moi, ça passe pas là. Voilà. Moi, c'est super. C'est super. Donc, moi, Everyway Socks, hein, l'avantage de ce patron, donc il est payant. Hein. Moi, je l'avais eu parce que j'avais participé au cal organisé par les autrices de Tricot ses chaussettes. Là, le livre, tout Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et moi, je l'ai eu, donc eu en cadeau parce que j'avais participé à ce cal. Donc, le patron contient 4 modèles. Donc, fingering ou DK et cuff down ou toe up. Donc, c'est-à-dire par des côtes jusqu'à la pointe ou des pointes jusqu'aux côtes. Donc, ça fait 4 patrons puisque c'est décliné donc en fingering et DK. Voilà. C'est vraiment super chouette. Ça fait un super ouais, cadeau de Noël, par exemple. Hein, si vous souhaitez tricoter pour quelqu'un. Il y a différentes tailles. Donc, au niveau des tailles, est-ce que c'est indiqué là? Ça va d'une circonférence de pied de 12 à 29,3 cm. Donc, ça, c'est les circonférences de pied. Voilà. Sachant qu'il faut toujours tricoter les chaussettes avec une petite aisance négative. Donc, le patron, il est payant maintenant à 8,40 €. Alors, la seule chose que je trouve un tout petit peu dommage, la seule chose que je trouve tout petit peu dommage, c'est qu'effectivement, bon, nous, on l'a eu en cadeau, mais on ne pourrait plus, par exemple, le retélécharger. Ouais, c'est un peu dommage. C'est-à-dire que si tu as perdu le patron, bah, tu l'as perdu. Mais sinon, ouais, il est pas mal, hein. Donc, vous pouvez l'acheter 8,40 € sur Ravelry et je pense que, ouais, pour 4 patrons, c'est plutôt pas mal. Après, j'ai jamais utilisé les patrons en DK. Je l'ai toujours utilisé en fingering. Donc ça, c'était ma deuxième paire de chaussettes de l'année, donc du 18 mars au 31 mars. Donc ouais, ça c'était la deuxième, mais c'était mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, sixième patron, sixième projet fini. Ensuite, en projet fini. Que j'ai eu aussi cette année, donc que j'ai fini le 19 avril. Commencé le 14 janvier, j'ai fini le 19 avril, qui a été très long à tricoter, mais très très long. C'est le châle Shima. Donc il se débute par 7 pointes. Et ensuite on rajoute, on rajoute. On rajoute, on rajoute, on rajoute. Ça, c'est le point où il y a le plus de mailles.
Et ensuite, on commence les diminutions. Et là, j'avais plus assez de fil autre, donc j'ai tricoté que du jaune et c'est pas grave. J'avais pas assez de fil. Voilà, donc j'ai utilisé le fil qui me restait le plus, c'était le jaune. Donc le jaune, je ne savais plus quelle laine c'était, je l'avais acheté en destache. Là, c'est la laine amourée. Non. Non. Attendez. Non, ça c'est une louve dans les bois. Donc là, ça c'est une louve dans les bois, c'est épave en mer d'Iroise. Et là où vous voyez donc la stellina dedans, c'est la laine amourée Cassiopée. Et c'est le coloris lancé un bœuf dans la voie lactée. Voilà. Donc c'est un châle qui fait plus de 3 mètres de long. Mais alors, ouais. Allez, j'en fous partout. Vas-y. Vas-y. Voilà. Et il me reste encore des sacrés pans. Voilà. Donc je me suis déjà entourée, je sais pas combien de fois dedans. Il me reste encore des pans. Et je peux encore faire un nœud. Voilà. Voilà. Donc il est vraiment très très long. Mais alors, voilà, quand on fait ça, il entoure bien. Voilà. Il est pas mal. Il est vraiment chouette. Mais alors. C'est vrai que le fait qu'il y ait 3 fils, déjà, vous ne pouvez pas l'embarquer partout. Est-ce que je le tricoterai une deuxième fois? Je ne pense pas. Parce qu'il est longué. Oui, il est un peu longué. Autant, par exemple, le Nurmilintu. Bon, ok, c'est un châle à un écheveau, mais au moins, on alternait entre point mousse et dentelle. Là, vous alternez entre rien du tout. Et en plus, combien de fois je me suis trompée dans les rayures et tout ça? Bon, hop, soit. Soit. J'ai eu quelques déboires, j'ai dû démonter une grosse partie à un moment donné. Voilà. Et en fait, c'est cette maille, enfin, ouais, cette maille-là, centrale, qui permet de tenir les 3 fils ensemble. Donc, ouais, non, pour le faire sécher, punaise, ça a été compliqué parce qu'il est plus large que la largeur de ma salle à manger, quoi. Enfin, presque, hein, où il est aussi large que la largeur de ma salle à manger. Enfin, ce fut compliqué à faire sécher. C'est un patron, donc le schéma de Béatrice Maz. Il est en français et il coûte 7,20 €. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore beaucoup étrenné, hein, puisque je l'ai terminé. Hop. Je l'ai terminé le 19 avril et qu'il faisait beaucoup trop chaud à ce moment-là pour porter un châle ou quoi que ce soit de cette catégorie-là. Donc ça fait plutôt une très très longue écharpe. Mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé le porter. Enfin, je trouve très joli et très doudou et très. Voilà, je le porterai cet hiver. Il n'y a pas de souci, je le porterai cet hiver. Donc effectivement, les laines sont tellement proches là, une louve dans les bois et comment laine amourée, qu'on ne voit pas forcément si là ça se voit. Donc là vous voyez, là vous avez une louve dans les bois et là vous avez la laine amourée. Voilà. Mais quand elles sont tricotées ensemble, voilà, comme là, voilà, là il y a un mélange des deux. C'est pas forcément flagrant là, hein. Voilà. Donc il y a beaucoup de, enfin, on va dire il y a plus de rangs où il y a des augmentations. Les diminutions, une fois que vous avez arrivé aux diminutions, c'est presque la fin. Quand vous regardez les diminutions, il reste plus. Alors attendez, ça c'est les augmentations. Donc les diminutions, c'est juste ça, quoi, hein. Donc les diminutions, c'est vraiment pas grand-chose, hein. Mais les augmentations avant. Voilà. Ah, j'ai la laine qui reste accrochée parce que il faut que je mette de la crème sur les doigts. En fait, je me suis piqué plein les doigts avec les aiguilles et voilà. Du coup, j'ai la peau qui a durci et c'est désagréable. Du coup, la laine, elle reste accrochée. C'est parfaitement désagréable. Donc, ça, c'est un patron.
C'est quoi? C'est du point mousse avec des mailles glissées. Et bon, point mousse avec des mailles glissées. Voilà, donc vous tricotez que des mailles en bois. Et vous faites des augmentations, mais je sais même plus, je crois que c'est des AED ou des AIG. Oui, c'est des augmentations intercalaires, mais lesquelles, je ne me souviens plus. Voilà. Donc, ouais, ça c'était. C'était sympa aussi. Ensuite, j'ai fait quoi? Ça doit être celle-ci. C'est celle-ci ou c'est pas celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. Donc ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Ensuite, j'ai tricoté cette paire de Everyway Socks. Et ça, c'était. J'ai pas noté. J'avais pas noté ce que c'était. Ah, flûte. J'ai oublié de noter ce que c'était. C'est un truc, une pelote avec de l'aloe vera dedans. Ça, je m'en souviens. Mais je me souviens plus de ce que c'est. Bon, je vous rassure, c'est rêche quand même. Hein. Il y a beau avoir de l'aloe vera dedans, c'est rêche. Hein. Disons que comparé à celle-ci, ça n'a rien à voir. Hein. C'est. Vous avez le droit au peeling en même temps, en fait. Quand vous les mettez, ça vous retire les peaux mortes en même temps. Voilà. Donc, pareil, ça, c'est du 64 mailles que j'ai tricoté. Dans quel sens? Je ne sais plus. Oh, je pense que j'ai dû commencer aussi par les côtes et finir par les pointes. Je me demande si celles-là, je me souviens quand c'est que je les ai commencées. Je les ai commencées, on allait à la piscine, au centre aquatique à Karlsruhe. Karlsruhe, ouais. Et je les ai démarrées là-bas. Je les ai démarrées dans la voiture, je les ai continuées. J'étais quasiment jusqu'au talon à la fin de la journée. Ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Sachant que j'ai fait de la bouée, j'ai fait des trucs. Hein, non, je me suis amusée, je me suis éclatée. Ouais, j'ai fait ça là, je les ai démarrés à la piscine, ceux-là. Ouais. J'ai démarré le 7 et je les ai finis le 20, 7 avril, fini le 24 avril. Donc, pour moi, c'est un petit 41. Voilà, moi, je porte un petit 41. Voilà. Donc, pareil que tous les Everyway Socks, hein, c'est-à-dire que c'est un talon à gousset. Un talon à gousset renforcé. Donc, voilà, celle-ci. Voilà, celle-ci. Il me semble que c'était ça. Ouais, celle-ci, ouais, j'ai dû les démarrer à la piscine. Enfin, le jour où on allait à Karlsruhe, je les ai démarrés dans la voiture, j'ai tricoté dans la voiture. Ça allait ce jour-là, j'étais pas malade en voiture, donc c'était déjà pas mal. Donc ça, c'était ma troisième paire de chaussettes finie cette année. Toujours tricoté en 2,5. Hein. Ensuite, tout de suite dans la foulée, comme il me restait de la laine de ces deux paires, mais plus assez pour faire une paire de chaque complète, j'ai tricoté une paire de mélanges. Voilà. Parce que voilà, j'avais plus assez. Donc j'ai mélangé les deux laines et là j'ai oublié de faire le renfort derrière. J'ai juste fait le talon engoussé, j'ai oublié de faire le talon renforcé. Voilà. C'est pas grave. Donc là, j'ai commencé par les pointes parce que comme on arrive mieux à gérer en fait la quantité de laine quand on commence par les pointes. Donc vous voyez, chacune a une pointe différente. Donc cette pointe-là, c'est cette couleur-là. Cette pointe-là, c'est cette couleur-là. Voilà. Chacune a une pointe différente. Chacune a un corps différent. Mais par contre, les côtes, toutes les deux ont la même laine pour les côtes. Donc c'est cette couleur-là pour les côtes parce que j'avais plus assez de l'autre. Donc j'ai terminé les côtes par les mêmes couleurs. Donc j'ai pas fait autant de côtes que d'habitude. J'ai pris le fil de l'intérieur, de l'extérieur de la pelote pour faire les côtes. Et bah, quand il n'y avait plus, j'ai arrêté. Et là, je suis en train de regarder que j'ai même pas rentré les fils tout court. Voilà, donc c'est pas tout à fait fini puisque j'ai pas rentré les fils tout court. Mais c'est exactement les mêmes. Donc c'est les restes des pelotes précédentes. Donc c'est des pareils, pas pareils, puisque voilà, elles ont chacune un peu de la couleur de l'autre. Voilà.
Donc, j'ai oublié de faire le renfort là. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de faire le renfort. En fait, je les ai fait de tête. Voilà, je les ai fait de tête. J'ai tricoté les deux chaussettes en même temps. Comme ça, j'étais sûre de ne pas avoir de soucis, de manque de laine ou machin. J'ai tricoté les deux en même temps. Comme ça, elles ont exactement la même taille, toutes les deux. Voilà. Donc, comment je fais? Alors, j'ai une aiguille un peu plus longue. Je les ai tricotées en 2,5. Et j'ai une aiguille Yaya, mais celle-ci est en sharp, qui fait 1 mètre de long. Et donc, je mets les deux en même temps. Voilà, je tricote les deux en même temps. Je commence par la pointe. Je commence par un Jenny's Binding cast on, ou un truc comme ça. Et franchement, c'est nickel. Ça vous permet de super bien gérer la laine. Donc là, ça allait bien parce que tout le corps, on va dire, c'était deux laines différentes. Hein. C'est juste pour les côtes, c'était la même. Et là, il restait plus grand-chose. Donc j'ai pris le fil de l'intérieur et de l'extérieur. Comme j'avais bobiné ma pelote, ça allait. C'était facile. Ouais. Donc ça, c'était ma quatrième paire de chaussettes finies. Ensuite, j'ai tricoté le châle blossom en gris, hein, que je n'ai pas, que je ne peux pas vous montrer, mais je vous en ai parlé avant. Ensuite, donc le châle blossom en gris, juste pour info, je l'ai tricoté entre le 31 mars et le 13 mai. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté une paire de sockets. Donc, j'ai utilisé de la Ricoh Design Superba Skywave. Donc, là, c'est pareil, j'ai oublié de rentrer les fils. Faut que je rentre encore les fils. Ouais. Faut encore que je rentre les fils. J'ai pas encore rentré les fils parce que je les ai pas portés. Donc, en fait, comme je voulais tricoter deux paires de chaussettes, j'ai tricoté des sockets. Voilà. J'ai utilisé la même base, hein, Everyway Socks, sauf que j'ai fait moins de tiges. J'ai fait que 15 rangs de tiges, il me semble. Alors, j'étais super déçue de la laine. Alors, le coloris est magnifique. Hein. Le coloris, il est vraiment chouette. Il est très lumineux. Donc, pas forcément. Mais là, par exemple, j'aime beaucoup. C'est très, très lumineux. C'est vraiment chouette. Mais j'ai eu des nœuds partout. Sur cette paire de chaussettes, je crois que j'ai déjà eu 3 ou 4 nœuds sur une paire de chaussettes. Alors, je vous dis pas, c'était. La laine, elle est rêche. Bon, voilà, c'est la laine à chaussettes après. Hein. Donc, il faut que je remonte encore les fils. Donc, celle-ci, j'ai tricoté entre le 20 mai et le 22 juin. Voilà, ça, c'était ma cinquième paire de chaussettes. J'en ai pas encore. J'en ai une paire sur mes aiguilles actuellement, mais pas encore finie. Ensuite, j'ai tricoté, alors, en même temps que Christine, les filles de l'Amicale du fil et des aiguilles de Kullendorf, hein, on a tricoté ensemble le Rokiti. Donc, moi, je l'ai tricoté avec des laines de chez Tricot et Stitch. Donc, j'ai utilisé Merino et Nylon, extra fine, en coloris Dirty Rainbow. Et j'ai utilisé le mohair et soie coloris Dirty Rainbow, également de chez Tricot et Stitch. Hein. Donc voilà, j'avais acheté la laine au festival Bretzlaine, à Rittershoffen. Donc j'en ai pas eu assez pour faire le I-cord. Et derrière, j'ai également un morceau où j'en ai pas eu assez, donc j'ai fini en violet. Bon, voilà, tant pis. Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai utilisé tout ce que j'avais utilisé. J'avoue, je ne l'ai pas encore porté. Je l'avoue. Remarquez, je pourrais le mettre vite fait. Voilà, donc je viens de changer. J'ai mis mon Rokiti. Alors, si je devais le retricoter, celui-là, je ne le retricoterai plus dans cette taille. J'utiliserai une taille en dessous parce que l'aisance positive est beaucoup trop grande. Donc, ouais, non, je le retricoterai une taille en dessous. Donc, un patron de Tanis Lavallée. Qui se tricote donc avec normalement un écheveau de fingering et un écheveau de mohair et soie. Donc il est en vente, le patron est en vente à 8,58 €. Voilà. Franchement, voilà, aujourd'hui il ne fait pas super top, il fait gris. Voilà, ça peut être un super temps pour le porter. Donc ça, c'était mon. Le projet qu'on a fait ensemble avec les copines. Voilà. Il se commence par le haut. Donc, vous commencez par le dos et là, les manches.
Et ensuite, avec les raglans, vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez. Enfin, le devant aussi, jusqu'à un moment donné où vous coupez le fil et vous rejoignez tout ensemble. Voilà. Donc, c'est un patron qu'on a fait. En fait, j'ai vu, c'était Tricot et Stitch. Sur son stand au Festival Breslen, elle avait un exemplaire tricoté. Et je l'ai trouvé tellement beau. Et donc j'ai craqué, bien sûr. Et j'ai acheté un échausse-chaque. Et j'ai payé, je ne sais plus si c'était 23 ou 24 euros l'écheveau. Voilà, je ne me souviens plus. J'avoue, je ne me souviens plus. Ça remonte au mois d'avril. Voilà. Je l'ai tricoté en 3,75. Après, ben voilà, il n'y a plus que les I-cords à faire. Hein. Bon, les I-cords, c'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Voilà. Non, franchement, c'est par contre un patron tout en anglais, mais pas forcément compliqué à comprendre. Hein. Les patrons que j'ai tricotés en anglais cette année, donc il y a le Venezia, le Rokiti. Ça, c'est les deux patrons que j'ai tricotés en anglais cette année. Ouais. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc moi, effectivement, je l'avais démarré. Je l'ai démarré le 4 mai. Je l'ai fini le 7 juillet. Pourquoi? En fait, le truc était quasiment tout fini. Mais alors, ce qui m'a saoulé, c'était de reprendre là les mailles de l'encolure pour faire l'I-cord. Quasiment tout était fini. Hein. Il ne restait plus que les mailles à reprendre pour faire l'I-cord. Donc, il y a une dentelle sur le côté. Là, il y a une dentelle qui ne se voit pas forcément. Voilà. Et comme dit, l'aisance est beaucoup trop positive. Sincèrement, à retricoter, je ne le ferai plus dans cette taille. Je le referai dans une taille en dessous. Donc, ouais, à voir. Mais je ne le referai plus dans cette taille. Trop grand. Beaucoup trop grand. Je flotte dedans. Ensuite, donc attendez, je vais voir si j'arrive à me lever parce que ça me fait mal en fait de me lever. Voilà. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc ça c'est mon gros kitty. Voilà. Donc avec le coloris Dirty Rainbow de Tricot et Stitch. Donc vous avez eu ma tête en grand. Magnifique, hein? Trop grand, un peu trop grand, ouais. Ensuite, ah bah du coup, je l'ai retiré. C'était le haut que je portais depuis avant. C'est mon top Duchesse de Noémie Jelly, You Need to Learn. Donc, c'est un top que j'ai tricoté en DMC et Covita. Voilà, je l'ai tricoté en 3,75, 3,5 et 3,75. Alors, ce que je regrette un peu, la prochaine fois que je vais le refaire, je referai des côtes plus longues. Je le referai plus long parce qu'en fait, à cause de la poitrine, en fait, ça se relève tout le temps. Donc, je le ferai un tout petit peu plus long. Je pense que je rajouterai bien 3-4 cm. Hein. Le côté sympa, c'est la dentelle là également sous les emmanchures, les manches ballons. Donc les raglans, c'est un top avec des raglans hein, comme le Rokiti, mais pas tout à fait les mêmes raglans. Là, c'est un raglan sympa qui change un peu. Voilà, c'est vraiment agréable. Donc ça se tricote donc en déca, le top Duchesse. Donc, il y a le top Duchesse pour adulte et le top Duchesse pour enfant. Ce tricote en déca, il va de la taille 2XS à 2XL. Voilà, donc moi, j'ai fait la taille 2XL. Et donc, en fait, au départ, elle l'avait tricoté en drops belle. C'est un patron qui coûte 7,50 € et qui, on va dire, il y a juste au moment où vous faites les manches où il faut vraiment bien être dedans, sinon c'est pas compliqué. C'est un patron qui est très simple, hein. C'est un patron en français, il est uniquement en français d'ailleurs. C'est un patron très simple, très sympa,
Et après, on a un super produit ben, agréable à porter. Hein. Vous voyez, je le porte. Vous m'avez déjà vu le porter plusieurs fois dans les vidéos. Voilà. Donc, j'ai déjà porté à plusieurs reprises. Et l'avantage, c'est que c'est du coton, donc on est moins, c'est moins compliqué pour laver en machine, quoi. Hein. Ça, vous le mettez en machine, vous ne posez pas tellement la question. Donc, les manches-ballons, c'est vraiment le. Les manches-ballons et là, la dentelle, là, c'est vraiment topissime. Vraiment top, top, top. Donc, j'avais tricoté, ouais, entre le 17 juin et le 12 juillet. Sachant que moi, je passe pas ma vie à tricoter, hein, faut pas rêver non plus. Hein. Il y a des jours où je tricote pas une seule maille. Ça, c'était pour mon top duchesse. Donc, j'ai tricoté dehors, j'ai tricoté un peu tout le temps, quoi, hein, un peu partout. J'ai fait rabat élastique, hein, comme à chaque fois. Voilà. Et ça, c'était mon dernier en cours, fini le top duchesse. C'était mon dernier en cours fini. Après, bah, j'ai d'autres en cours. Enfin, maintenant, j'ai des en cours. Voilà. Donc, bah, cette vidéo, je pense qu'elle sera déjà assez longue comme ça. Donc, je vous ai, on a repassé en revue tout ce que j'ai tricoté, enfin, fini, depuis le début de l'année. Donc, il reste actuellement sur mes aiguilles le Marie Clayday. Il ne me reste plus que les manches à faire. J'avoue, je ne l'ai pas encore fait. J'ai débuté hier le châle solaire. Et j'ai terminé la section 6 du Birds of a Feather. Donc, sachant que moi, je le tricote avec un écheveau de fingering et de la kid silk. Voilà. Voilà. Donc, ce sera. Ben, je fais encore un tournage cette semaine. Vous verrez les avancées de cette semaine. Et puis après, ce sera nouveau mois. Enfin, non, pas cette semaine. On sale combien vendredi? Le 11, je crois. Donc, vendredi 11, vous verrez encore les avancées de la semaine où je tourne la vidéo, là. Et après, ce sera nouveau début septembre. Voilà. Donc, pour le châle solaire, le Birds of a Feather et le Marie Clayday. Donc, le Marie Clayday, je le tricote en or de Drops. Le châle solaire, je le tricote avec un écheveau de Tencel que j'ai teint avec la teinture solaire de l'écheveau solidaire. Et le Birds of a Feather, j'utilise donc en fingering de la laine et chaudron. Je crois que c'est de la belladone. Et le mohair, c'est de l'haricot, qui est kid silk. Ouais, mohair et soie de Ricot. Voilà. Et donc, j'ai une paire de chaussettes également. Oui, une paire de chaussettes. La laine vient de chez Laine Flora et c'est un mélange de laine et de d'ortie. Voilà. Donc on verra. Pour le moment, je n'ai pas encore continué la paire de chaussettes. J'ai travaillé beaucoup là cette semaine sur le Birds of a Feather et j'ai également la couronne d'eucalyptus là que j'avais encore. Donc peut-être que donc au début septembre, vous verrez la suite. Sachant que hier, donc hier, on était mercredi 7 ou mercredi 8, non, mardi 7 ou mardi 8, je ne sais plus. On est combien? Mardi 8, on était hier. J'ai tricoté deux feuilles. Crocheté deux feuilles. Pas tricoté, crocheté deux feuilles. Voilà. Allez. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Une très bonne journée. Très bonne soirée si vous me regardez le soir. Bonnes vacances, joyeux anniversaire et très bon tricot. Bye bye!